Les albums du père Castor ne sont pas du genre à prendre la poussière sur les étagères des bibliothèques. Voilà 90 ans que les livres de cette maison d'édition donnent aux plus jeunes le goût du livre et de la lecture. Paul Fauchet, le fondateur de cette maison d'édition, voulait s'adresser d'abord aux enfants non lecteurs. Autre ambition, pour mettre en scène de jolis contes mêlant fantaisie et quotidien, il fait appel à des artistes de talent de l'époque comme Nathalie Parrin ou encore Féodor Rojinski. À la fois classiques et best-sellers, les livres comme Roule-Galette ou La Poule Rousse habitent l'imaginaire enfantin. Et à l'âge adulte, ils restent bien conservés dans nos mémoires. Aujourd'hui, Les Bons Amis ou encore La Plus Mignonne des Petites Souris ont été rejoints par d'autres héros, ceux de Je suis en CP ou encore Grand Loup et Petit Loup. Alors on souhaite un joyeux anniversaire au Père Castor.